Bonjour à tous, heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du Conseil VE de la semaine. Je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master que j'ai obtenu par le biais de la VAE. Et mon métier, c'est la formation pour adultes, l'accompagnement à la VAE. Donc, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2015, sur tout type de diplôme, tout domaine, tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et, je l'espère de tout mon cœur, la réussir. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, on va recevoir Aurélie Cornil. Aurélie qui est une amie dans la vie et qui est également consultante RH et recrutement. On a travaillé sur plusieurs projets de formation ensemble, sur plusieurs accompagnements et je trouvais que c'était utile de pouvoir lui donner la parole en tant qu'experte en consultant, enfin experte en recrutement, de vous permettre finalement d'avoir l'avis d'un recruteur sur la démarche de VAE, comment on le voit de l'autre côté. Et parce que Aurélie, d'une part, elle est recruteuse, mais elle est aussi beaucoup en contact avec les employeurs. Et donc, c'était utile vraiment de vous apporter leur regard et comment ils voyaient finalement la VAE. Vous allez voir que c'est forcément quelque chose qui est très valorisé. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas dans la démarche, j'espère que ça va vous aider et vous donner envie de vous lancer. Si vous êtes déjà dans la démarche et si vous avez même peut-être, vous êtes déjà même diplômé, eh bien, ça va peut-être aussi vous donner des astuces et des bonnes pratiques finalement pour valoriser cette étape, ce dispositif de VAE dans votre parcours et le valoriser auprès enfin, dans votre recherche d'emploi. J'espère que ça vous sera utile. Sans transition, je laisse place à mon interview avec Aurélie. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie d'Aurélie, qui est une amie dans la vie et qui est consultante en recrutement. Je trouvais que c'était utile de pouvoir donner la parole à quelqu'un qui est spécialiste des ressources humaines et en particulier du recrutement pour avoir un autre point de vue et vous donner de nouvelles perspectives. Donc, ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est partir à la découverte, à la rencontre d'Aurélie, qui va nous expliquer un petit peu son parcours, et puis son ressenti, ce qu'elle pense finalement de la VAE dans une démarche de recrutement. Donc, sans transition, bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour Julien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aurélie, ce que je te propose dans un premier temps, c'est peut-être déjà de nous expliquer un petit peu qui tu es. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, c'est Aurélie, je suis effectivement consultante RH, spécialisée principalement en recrutement. Moi, je suis d'un parcours en fait assez atypique, ayant effectué donc beaucoup de gestion de personnel, y compris du recrutement. Je me suis ensuite dirigée vers une formation pour me certifier également. Alors, je suis pas passée par une VAE malheureusement, mais je suis passée par un BTS ressources humaines. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis principalement dans le recrutement pour des PME, TPE et sur des postes plutôt techniques. Ouais. Des recrutements dans un milieu particulier parce que tu recrutes essentiellement des profils pénuriques. Tout à fait. Hein, c'est ça, un petit peu le contexte dans ton contexte professionnel. Moi, j'adore les profils atypiques, je le dis souvent sur cette chaîne. Je trouve que les profils atypiques, des gens qui ont vécu plein de choses et des parcours parfois en dents de scie, parfois avec des expériences difficiles, douloureuses, je dis pas que c'est ton cas, mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça développe les compétences, c'est dans l'adversité qu'on développe les compétences et je trouve ça formidable. Alors du On coup, est d'accord. en tant que recruteuse, comment tu vois les choses? Comment tu accueilles un candidat finalement qui a fait une VAE? Alors, premièrement, je l'accueille de la même manière que quelqu'un qui aurait des diplômes ou pas, avec ou sans expérience, peu importe. Aujourd'hui, la VAE, en fait, elle est surtout valorisée dans le sens où on connaît la lourdeur du dossier, on connaît la difficulté d'établir et d'arriver jusqu'au bout d'une VAE. Moi, la lecture en fait d'un CV où il est marqué VAE, donc une validation des acquis et des compétences ou de l'expérience même, hein, tout à fait, est aussi valorisante qu'un diplôme, voire même plus valorisante. Ouais.
Quand tu dis voire même plus, c'est par rapport à quoi du coup? Alors, elle est plus valorisante, elle est plus importante en fait. Moi, quand je lis un CV qui est marqué donc VAE, je sais que derrière, il y a déjà une réelle motivation hein, pour valider ces compétences-là. Il y a une réelle motivation pour le poste pour lequel nos candidats postulent au poste bien spécifique aussi. Il y a aussi un temps passé sur ces expériences. Il y a un retour aussi sur l'expérience passée qui peut être compliquée, qui peut être difficile à mettre noir sur blanc. Hein, tout le monde le sait. Je pense que c'est assez compliqué. On fait des choses aujourd'hui. Automatiquement, on a des automatismes qui font que parfois on peut oublier certains process ou certaines choses sur un poste. Là, il faut tout mettre en fait à plat dans une VAE, dans un parcours VAE. Et moi, je trouve ça au niveau implication, au niveau motivation, ça montre aussi une preuve des traits de personnalité. Tout le Oui. monde sait aujourd'hui que les savoir-être sont en plus très importants pour les entreprises, surtout pour les nôtres. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais tu as raison, bah, j'aurais pas pu dire mieux. Hein. Ça correspond à tout ce que je dis d'habitude. Donc merci, Aurélien. C'est pas concerté, hein. C'est Non, pas du tout. pas beau ça, mais c'est bien. Moi, ce que je pense dans les retours de mes candidats quand ils sont au process de recrutement, de mes candidats ou de mes anciens candidats diplômés, souvent ce qu'on me dit, c'est vrai que l'accueil d'une VAE, il est très positif par les recruteurs, parce que bah, effectivement, pour toutes les raisons que tu cites, et même finalement dans la relation recruteur-candidat, ça change quelque chose parce que le candidat à la VAE, présent ou passé, il a la méthodologie et le savoir-faire pour valoriser finalement ce qu'il sait faire, les compétences qu'il a. Et c'est vrai que dans le cadre d'un process de recrutement, je pense que c'est aidant pour derrière savoir s'il va coller avec un poste, une entreprise, un contexte, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est rien que déjà sur une présentation. Rien que sur la présentation, on sent déjà que forcément, il y a l'expérience, il y a le vécu, bien sûr, mais il y a aussi cette préparation, en fait. Il y a une préparation de l'entretien, déjà, qui ne se fait pas sur un candidat, j'ai envie de dire, lambda, hein, un candidat hors parcours VAE. Mais effectivement, il y a déjà ça, il y a déjà une présentation, il y a une sérénité dans nos échanges, parce que bah, forcément, la personne qui est en face et qui a fait un parcours VAE connaît exactement tous les détails de ses expériences et du coup peut approfondir. C'est souvent des entretiens très intéressants où forcément le fait d'être à l'aise pour pouvoir discuter des postes, de rentrer soit dans la technicité, soit vraiment sur un parcours, même des fois personnel. Les gens se livrent déjà aussi plus, bizarrement, mais ils se livrent quand même plus, ils sont plus à l'aise. En général, ils sont plus à l'aise. C'est beaucoup plus simple pour nous, hein. Faut pas se mentir. Ah oui, tout C'est à bien fait, du c'est coup. beaucoup plus simple. Disons que même moi, si je prépare pas mon entretien Oui. avec le candidat, je sais que de toute façon, Oui. il sera guidé et Oui. il sera entier, quoi. Ça. Il y a aussi un facteur qui est peut-être important, et ce que moi je constate dans les candidats que j'accompagne, c'est que souvent, bah, c'est vrai que pendant une VAE, les gens se posent des questions. Et alors, tous ne changent pas d'entreprise ou de poste, mais certains changent. Et c'est vrai que du coup, c'est assez logique finalement que toi derrière, enfin que et toi, tes consoeurs, tes confrères, consultants RH, vous rencontriez des candidats à la VAE, parce que souvent, on se rend compte dans une démarche que ben, on a peut-être aussi envie de changement. Donc c'est vrai que c'est propice peut-être à la rencontre derrière et puis à la vocation de changer d'horizon, même si ce n'est pas obligatoire. Alors, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément obligatoire. Malgré ça, moi, personnellement, j'ai pu avoir en entretien une personne qui sortait donc d'un parcours VAE et qui était en poste, hein, un poste déjà bien technique, et qui souhaitait aujourd'hui évoluer. Alors, pour quelle raison? Parce que j'ai posé la question, ce qui est tout à fait normal. L'avantage d'un parcours VAE, c'est de mettre ses compétences et son expérience, comme je disais tout à l'heure, noir sur blanc. Le fait de mettre ses compétences et son expérience, parfois, peut déclencher, en fait, bah, l'envie d'évoluer au sein de son poste ou interne, hein, ou même de changer d'entreprise pour ces raisons-là. Bien souvent, il y en a, encore aujourd'hui, et c'était le cas de mon candidat, qui était sur un poste inférieur à ses compétences C'est ça. et à son expérience. Et la VAE lui a permis aussi de pouvoir se diriger sur un poste avec plus de responsabilités. Moi, c'est pour ce candidat-là, mais il n'y a pas forcément de responsabilité, mais au moins, il y a une évolution professionnelle. Et la VAE sert à ça aussi.
C'était quel diplôme qu'il préparait, enfin qu'il a eu, pardon, par le biais? Il a fait une. Alors là, on part sur un poste à large responsabilité. Il était aujourd'hui, enfin hier du moins, responsable de production, donc qui est un poste quand même relativement technique, précis en plus puisque c'était dans une industrie, une TPE. Aujourd'hui, on a pu donc suite aussi à sa VE et je l'en ai félicité plus d'une fois, il a pu postuler pour un poste de directeur industriel, qui est pas rien. Il a eu, il a été embauché par mon client. Il a été, donc là, forcément, on part sur un poste déjà avec un parcours peut-être plus long que certains qui feront une VAE, est-ce que je leur conseille. Mais là, pour le coup, au lieu de rester responsable de production, il est passé directeur industriel. Sa vie a changé. Il a une perspective d'avenir qui est beaucoup plus large que celle où il était précédemment. Et tu peux dire le diplôme qu'il a eu, ou je ne sais pas si tu peux le dire ou pas. J'ai pas, alors j'ai pas la référence là. Il Un a diplôme eu, technique. je crois, alors sans dire de bêtises, il me semble qu'il a eu une validation pour un poste de gestion entreprise. D'accord, oui, J'ai donc pu, j'ai pu la. plutôt master gestion d'entreprise, c'est ça? Ah, au niveau, le niveau Oui, c'est du ça. Oui. diplôme, oui, il était passé sur un DUT, je crois. Gestion D'accord. Ah, d'entreprise, d'accord. Okay. sans porter, Donc, quelqu'un mais qui n'avait pas de diplôme, qui a eu un DUT de exactement. gestion C'est d'entreprise, vraiment un monsieur qui un s'était formé sur le autodidacte. terrain, hein, aucun diplôme, et Ah, même voilà, il est parti oui, bah, vraiment de la base, quoi. c'est souvent le cas. Ok, Ouais, super. ouais, ouais. Ok. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais finalement à un candidat VAE qui veut se lancer dans une démarche de recrutement? Est-ce que tu aurais un petit tips, une petite astuce éventuellement à nous Alors, donner? la petite astuce, c'est surtout de le mettre en valeur. Ouais, valoriser. Surtout de le mettre en valeur. J'ai rencontré aussi des personnes pour lesquelles j'ai passé un entretien et où effectivement l'ouverture s'est faite tout de suite. Les personnes étaient à l'aise et je leur ai demandé leur parcours et effectivement la VAE n'était pas inscrite sur le CV. Je l'ai appris pendant l'entretien. Mais si j'avais pas reçu cette personne, Tu l'aurais pas son su. CV n'aurait pas eu la même valeur Ouais. et je l'aurais peut-être pas convoqué d'ailleurs. Donc, s'il vous plaît, pour les prochains et ceux qui ont passé à une VAE, surtout mettez en valeur votre parcours. Mettez-le en valeur parce que c'est important. Et nous, en tant que recruteurs, je parle nous parce que je ne suis pas la seule à le penser, on fait attention à ça parce que derrière, déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a des traits de personnalité, une motivation, une expérience. Hein, quelqu'un qui va arriver tout de suite sur un poste avec cette expérience-là est toujours plus bénéfique, de toute façon, tout le monde le sait, que quelqu'un qui n'a pas cette expérience. S'il vous plaît, messieurs et dames, mettez-le sur votre CV. Nickel. Merci Aurélie Mais je vous en prie, merci de à vous, ton Julien. retour, de tes conseils. Et puis, bah, écoute, ce que je te propose, c'est nous aurons certainement l'occasion dans l'avenir de cette chaîne de te revoir à l'occasion d'un autre, peut-être un autre entretien sur une autre thématique de recrutement, parce que c'est un sujet qui va souvent de pair avec la VE. Donc, merci beaucoup de ton temps, merci beaucoup de tes conseils. Et puis, Merci à à toi, très vite. Julien. À très vite. Merci à vous. Au revoir.